Yep, tout le monde, et bienvenue pour un épisode sur LP. J'espère que vous allez bien tranquillement. On se retrouve sur le LP. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben, on va faire du immersive, les gens. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de de faire ma série du Draconium. Ceci, il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est soit avec le hammer de immersive, soit de le passer dans un grinder, un crusher plutôt, pour obtenir deux poudres. Donc c'est quand même deux fois plus intéressant. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris le bouquin, j'ai eu l'achievement RTFM, Open to Engineering Manual, manuel plutôt. Et du coup, on va pouvoir se faire quand même des belles petites choses, notamment notre crusher. Ah, il y a pas mal de choses qui ont été mises d'ailleurs, parce que avant j'avais pas tout ça. Ah, il y a même le tank. Concrète, oui, ça je le connais déjà, mais ce que j'ai besoin, c'est pas le générateur. Heavy Machine Crusher. Ok, donc il va nous falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Des barres. Ah, de la redstone. Ah oui, il a changé le système, hein. Il a changé tout le craft entier. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin pour ça? Il va me falloir. Alors, distill. Hop, un petit screen YOLO. Comme d'habitude, hein. C'est ma technique. Alors, du coup, il va me falloir distill, scaffolding, un redstone engineering block, delight engineering block, 8 steel fence, 9 hopper. Ok. Et notamment, au niveau de ça, il va falloir que je fasse le hammer, et du coup, je crois que j'aurai accès à ce qu'il faut. Donc, de toute façon, il va me falloir le convoyeur. Convoyeur et le hammer. Donc, au niveau du hammer. Ça va, il n'y a pas plus compliqué. Hein. Il faut dire ce qui est, le hammer, il est vraiment, vraiment, vraiment très dur. Au niveau du hammer, du coup, maintenant, il me donne accès à pas ça. Require to upgrade. Require to upgrade, require lui hot topic qui a besoin de créer un blast furnace. Donc il va falloir que je crée mon premier blast furnace parce que à mon avis je vais devoir utiliser en fait du steel. Même si j'ai le steel de mecha mécanisme, il va falloir quand même que je le fasse. Ah, on peut le faire même via PC le. Ah, c'est sympatoche ça. Construction. Donc, il me faut. Comment ça s'appelle déjà? Blast Furnace. Qui ont une Blast Furnace, ça doit être lui. Ouais, c'est lui. Alors, il me faut de la Nether Brick, de la Brick et de la Blaze. Ok. Il faut 27 Blast Brick. Ok. Ok, donc il me faut ceci, il me faut qu'un coke oven alors. Il me faut également un coke oven. Donc ça, c'est 27. Ah, en plus c'est de la sandstone, donc du coup c'est du sable. Ah, il faudrait que je mette aussi le craft auto du sable, ça pourrait être pas mal. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Cobble, une cobble, je vais te dire de la mettre là-dedans. Non, crushing. Je sais pas si ça fait du gravier déjà. Si ça fait du gravier. Hop, ça fait un gravier. Et du coup, sand, ça me fait. Un de sand si je fais un gravier. Voilà. Hop, et comme ça, je peux le foutre directement ici. Et quand je vais demander du coup du sable, il va tout balancer. Ah, c'est quand même magnifique.
Donc, bah du coup, ça, j'ai tout ce qu'il faut. Ça, je vais en rappeler 10 de préférence. Comme ça, je vais faire ce qu'il faut. Le Coke Oven. Le Coke Oven. Coke. Ah, bah, de toute façon, j'ai pas ce qu'il faut. Il me faut de la brique. Il me faut de la clay. J'ai de la dust. Il est complètement malade avec ses gifs. Pouf. Va me falloir beaucoup de clés. Sachant qu'il m'en faut 4 pour en faire 2. Il m'en faut 27. Donc ça fait 28. 28. Donc ça fait 14. 28. 52. 28 et 28. 8 et 8, 16, 56. 56 clés pour obtenir le coke oven à gogo. Bizarre, il y a des chevaux ici. Faudrait que je me crée au fait de la clé. Comment on peut l'en obtenir à part l'allumateur et le machin? Bon, on peut pas trop le faire. On peut le faire que la dirt et la water essence. Faudrait que j'arrive à trouver comment on en fait, ça serait cool. La fameuse rock eve qui génère du minerai. Je trouve ça tellement classe. Hop. Il y a des petites abeilles qui butinent tranquillement. Salut! Va me falloir de la clé, sachant que j'ai commencé pas mal à bouffer tout le littoral de. Le comment? Littoral de clé. Je crois qu'il y en a, ouais, il y en a là-bas. Donc ça va, c'est, on n'a pas non plus. Oh bah ça va, il y en a, il y a ce qu'il faut. Voilà. Il y a largement ce qu'il faut de toute façon. L'avantage de l'atomique des assembleurs, c'est que dans les fonds marins, bah, ils s'en foutent un peu. Téléporte. Oula. Ah oui. Donc du coup, bah, j'ai de la clé. Va me falloir de la sandstone, je crois. Il me faut le coke oven. Je vais le faire en craft auto. Sand. Hop. Je vais demander un craft auto. La clé. Une clé fée. De la brique. Ah, j'ai pas ce qu'il faut. Donc, il va falloir qu'on le fasse cuire. Me faut une interface de préférence vide. Voilà. Ça, je vais le faire cuire. Merde, pas enrichir mes clés. Ah. Hop, de la clé. Pouf. Donc, on le fout là-dedans. Et du coup, maintenant je demande de me faire tout ça. Et voilà. Donc du coup, ce que je vais faire ici maintenant, que ceci t'en fait. Coke Oven. Je vais lui demander 28. Et il m'en manque 12. Et ta mère. En plus, j'ai pas le bac ici. J'ai pas le bac comme sur LTP. Je n'ai pas le bac. Le bac, hein, tu sais, le mode retour. Pourtant, j'étais sûr d'en récupérer assez, mais non. Ma foi, tant pis. Faudrait qu'on se fasse les abeilles un jour. Ça serait bien. Ça fait très carré, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait très carré. Ting, ting, ting. Voilà. Alors, du coup, on va aller ici. Je vais aller pouvoir récupérer ma clé. Ah, bah, salut. Je savais pas que l'atomique des assembleurs faisait comme en sorte que c'était de la terre. Ah,
merde, je suis en train de crever de noyade. C'est un peu con. Je vais essayer de récupérer toute la clé qui reste. Ah, qui reste pas parce qu'il va y en avoir une tonne, mais. Hop. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir retourner au home. Voilà. Alors, ceci maintenant étant fait, on va pouvoir faire tout ça, lui demander un Coke Oven et lui en demander 28. Voilà, c'est largement ce qu'il faut en plus. Lui, il est en train de se faire. Ça va plutôt vite, hein, de toute façon. Et voilà. Et là, il est en train de cuire toute la clé qui manque. Donc ça va plutôt vite, hein, faut dire ce qui est. Et voilà, c'est fini. Les 28 étant faits, on va pouvoir crafter la première machine. Pour l'instant, je mets la machine ici. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre un trou au milieu, comme Rycraft. Et pouf! Voilà, donc on a le coke oven, donc dedans on met quoi? Pas forcément du coal, pour nous faire du coal coke. Coal. Ouais, je veux carrément en mettre un stack de blocs. Hop. Et là, du coup, bah, ça va se faire pendant très longtemps. Fuel, blood. Ouais, Colco, qu'il faut 32 000 burn time, donc c'est pas ça. Combien il faut de ticks? Je sais pas, mais en tout cas, c'est très long. Voilà, donc ça c'est fait. On a déjà le Colco, le Coke Oven plutôt. Il nous faut des achievements. Il nous faut le Blast Furnace. Alors, Blast Furnace, c'est lui. Faut de la Nether Brick, de la Blaze et du machin. Alors, Nether. Ok, Nether. Ok. Une Nether Rack en cuisson nous donne une Nether Brick. Voilà. Blaze. Ah, j'ai pas de Blaze. J'ai plus de Blaze. Va falloir que j'aille dans le Nether. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais faire une petite ellipse, le temps d'aller chercher des blazes, tout ça, tout ça, tout ça. Et du coup, je vous donne rendez-vous tout de suite. Donc je suis dans le Nether, mais je m'amuse à me téléporter. Voilà, à me téléporter grâce à une wand qui est ultra cheatée. Putain, les magma blocks, j'avais oublié que tu dois te mettre en sneak. Pour éviter de prendre des dégâts. Pouf. Alors, du coup, je suis allé très loin chercher ma forteresse qui se trouve là-bas. C'est la seule la plus proche, hein, je pense, parce que j'ai pas pu en voir d'autres. Là, je vais tenter un petit truc. Ouais, magnifique. Donc, c'est vraiment cheaté pour traverser les lacs de lave. Surtout, tu restes en shift-click tout le temps et du coup, tu te téléportes partout jusqu'à ce que tu trouves, en fait, un mur, et à partir de là, bah du coup, tu peux monter ultra facilement. Voilà, la preuve. Bah, c'est très cheaté. Du coup, on retourne au Kifu. J'ai pu choper pas mal de choses quand même. Je me suis mis en GM à un moment parce que j'ai dû m'AFK. Et comme j'étais un petit peu partout. C'est très cheaté, la ronde. Celle-là, elle sert à quoi? Oh! Elle fait de la lumière! Oh, c'est trop cheaté. Oh, j'adore. Donc, du coup, ben, moi j'ai pu récupérer pas mal de choses. La mantine, de l'émeraude, du cobalt, du gold. Ah, ça se fond pas ce truc. D'accord. De la mantine,
comme ça je vais pouvoir me faire mon pantalon. Jusqu'à j'ai pu faire ce que je veux. Du diamant aussi, c'est pas mal. Au moins j'aurai des minerais de diamant. Ah bah j'ai fait du truc. Alors du coup ça je m'en fous. Là de l'eau, parfait. La nether brick, tiens, hop. Et ça se fait quoi du coup? Ah, ça se fait que fondre. C'est vrai qu'on pourrait utiliser ce mode là. Ça permet d'avoir des liquides plutôt spéciaux. Tac tac tac, j'ai récupéré des withering, des wither bones, des cœurs, des blaze, de la wither. Donc beaucoup de choses. Donc ça, je me fous ça là-dedans. Ça aussi. Et bah du coup, bah, c'est parfait. Je vais pouvoir du coup faire mon coal coke. En même temps, recharger ceci. Parce que bah il a pas mal sous le fer, hein, en face de 128. 128 efficacity, je vous garantis que ça va plutôt vite. Voilà, 400 000, c'est déjà pas mal. Faudrait que je me mette une tablette sur moi, ou une énergie cube un jour. Du coup, maintenant que nous avons ça, on va pouvoir se faire du coup les blazes. Et les briques, clés, briques. Il va me falloir encore de la clé, moi je suppose. Voilà. Donc, bah, comme toujours, il va m'en falloir 28. Blast. Tac, il va me manquer de la clé. Ah non, de la blaze powder. Bon, ça va, j'ai récupéré ce qu'il faut. Pouf. Normalement, on fait dans le crushing. Ah, ou pas. Comment on peut l'avoir en plus. Dans un crusher. 5000. Macerator. Crusher. Ouais, donc on peut pas pour l'instant comme ça. Et bah hop. Tant qu'on y est, on va se faire notre petit pantalon. Pouf. Réduit les dommages reçus. Ok. Blast. Hop. Blast. On en demande 28. Voilà. Donc c'est cool, ça va super vite. Faudrait qu'on se fasse de la clé en auto aussi un jour. Et bah voilà, j'ai mes 28. Magnifique. Je vais quand même vérifier que ça soit bien 28. Pouf, pouf. Voilà. Oh, j'ai résistance 2. Ware full amandine. Oh yeah. C'est quoi? C'est armor plus? La damantium? Non, bah non. Base métal. Ouais, base métal. Ok. Démon Slayer. The full suite of cold iron armor. Ainsi que la sword. Ok. Bon bah c'est cool, donc ça c'est déjà un bon point, ça va me permettre de faire pas mal de choses. Nous demande de créer du coup le Blast Furnace. Hop. 27 Blast Furnace. Blast Brick. Ah il a fini lui? Ah non, c'est qu'il est plein. Je me disais aussi. Donc les 27 c'est égal 3 x 9. Voilà. Et le coup de marteau. Ding ding. Really hot topic. Donc ceci en fait nous permet de faire à partir de ça et de ça. Et en mettant de l'iron. Il faudrait que je me fasse un petit truc qui va jusqu'en bas. Là. Iron. Hop. Voilà. Ça nous permet en fait tout simplement d'obtenir ce qu'on appelle du steel. Faut vraiment que je me fasse un petit truc en bas moi. Ou un élévator, tiens. Je pourrais me foutre un élévator ici, ça pourrait être pas mal. Élévator.
Ça va, en plus, c'est pas cher. Ouais, comme ça va beaucoup plus vite. Donc, du coup, ici, bah, le style est en train de se faire. Ici, il faudrait que je vide un petit peu ça pour que ça continue. Faudrait que je me fasse du fluide. Ouais, mais j'ai pas les fluides conduite. Est-ce que j'ai les tanks? Non plus. Bon, en fait, j'ai rien du tout. Achievement. Maintenant que nous avons fait ça, il nous demande de créer notre style. Donc, on doit récupérer un style ici. Voilà, c'est magnifique. On l'a. Et puis maintenant, il va nous demander de faire ce qu'on veut faire en fait, le crusher de multibloc. Donc, c'est pour ça qu'il va me falloir. Alors, ce qu'on appelle du style Sky. Ok. Sky Folding. Oh. Mais il faut des blazes. Des styles. Ah, une metal press, c'est vrai que c'est pas mal. Ça peut en faire deux. Sinon, il faut le faire à partir de deux styles basiques, ça en fait quatre. Ouais, ça va en fait, c'est équivalent plutôt. Du style Sky Folding. Alors, style. Non, je vais le faire en bas par contre. Pourquoi il est en output? Ah, parce qu'il neige. Ok. C'est pour ça que j'étais en train de me dire, mais pourquoi il fait. Pourquoi il descend? Dark Steel. Voilà. Je m'en fais 4-8. En plus, j'ai largement ce qu'il faut en style. D'ailleurs, je vais en commander un peu plus. Pouf, donc. 6 et 6, 12. Voilà. Il me faut une redstone engineering. Bon, ça va, c'est pas cher. Il me faut delight engineering. Là, ça devient un petit peu plus compliqué, mais ça va. Il m'en faut combien de ça à chaque fois? Il m'en faut 2 pour faire en 2, il m'en faut 5, il m'en faut 10. Voilà. Voilà, j'en ai 10, je fais ça. Voilà, j'en ai 10. Il me faut des steel fence qui se font comme ça. Ah ou pas. Steel fence. Ah ok. Il m'en faut combien? 8. Bon, hop, ça en fait 9. Et 9 hoppers. D'accord. Spruce. Voilà. 9 hoppers comme ça. 9. Voilà, bon, maintenant que j'ai tout ça, on va se le foutre à un endroit où on va pouvoir tirer de l'énergie. C'est très important. J'ai celui-ci, mais je peux avoir par exemple celui-ci. Faudra juste que je tire la fibre, plus ou moins. Et on va se foutre le crusher temporairement. Je dis bien temporairement parce que il est pas mal gros quand même. Et va te coucher, toi. Je vais tirer la fibre à partir de là. Comme ça, il y a le capacitor, il y aura tout. Donc, je vais être tranquille. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est un crusher. Hop. Alors, du coup, on peut voir actuellement qu'on aura besoin de tout ça. Donc, moi je vais me faire mon petit screen habituel. Pouf.
Voilà, donc on va avoir besoin de ça et de ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Donc ça, c'est le début. Ensuite, il va me falloir... Ok, tac tac, fence, redstone. Tac tac, fence, redstone. Tac, fence, redstone. Je vais quand même vérifier. Tac tac tac, tac tac tac. Ok, je pense qu'il va me falloir faire... Voilà. Fait, il va nous demander de faire ça avec ça au milieu. Et je crois c'est comme ça. Et ensuite, il va nous demander de faire les 9 hoppers. Et attention. Voilà. Asameus Smashing forme the crusher multi-block. Et ben voilà. Ici, du coup, on aura besoin de notre levier. Donc, c'est des IF. Hein. Les IF, ça doit être comme les RF. Et du coup, on balance nos minerais là-dedans. Ici, il doit y avoir l'arrivée d'énergie. Comme ce fait pas devant. Ici, il nous faudra un levier. Donc, on va se faire notre petit levier des familles. Hop. Levier, que ta montagne est belle. Hop, cobble. Voilà, maintenant il va me falloir des MV. MV wire. Oh, ça coûte un peu plus cher maintenant. Electrum plate. Hein. On va peut-être passer au LV plutôt, hein. LV wire. Donc de l'art de net clé, forcément. 1, 2, 1, 2. Qu'on fait cuire. Voilà. Ah, il me faut une copper plate. Obligatoire, de toute façon. Hop. Ah, ça c'est un relais, ça c'est un connecteur. Ok. C'est bien parce qu'avant en fait il n'y avait pas le choix entre relais et machin. Ah, on peut faire des chires avec des plates. Oh. Oh bah c'est magnifique ça. Ça m'en fait 8. Tac tac tac. Hop, 4 connecteurs obligatoires. Et 4 connecteurs et ceci. Ah, il va m'en falloir encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est des chiens. Voilà. Simple stick, ça fonctionne pas, non? Ah, peut-être j'en ai plus, ça doit être pour ça. Je dois plus avoir de stick. Il faudrait que je me fasse aussi une petite fabrique de petites choses. Donc, tac, 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 le levier. Faudrait peut-être que j'aille dodo un peu aussi. Voilà, on va faire dodo. Voilà, comme ça peut se recharger. Du coup, on va se mettre ici, on off, on se fout notre wire là, on va foutre notre wire ici, avec un petit paramètre comme quoi c'est une input, et je vais connecter ça à
Ici. Oui! Et du coup, j'ai de l'énergie à gogo. Voilà. 32 000 EF. On a eu l'achievement Burn. Burnt on the Wire. Attache ton wire. Voilà. Du coup, là-dedans, on a tout ce qu'il faut. Et quand on balance un item et que c'est enclenché, normalement, ça doit être crafté. Oh, il n'y a pas l'animation. Attends, je vais vérifier un petit truc. Draco. Sur la 1.7.10, il y avait l'animation quand tu mettais des items dedans. Je trouvais ça classe. Ah, il y est. Et du coup, quand vous mettez tout, ça ressort ici. Hop, il y en a 6, il y en a 8, il y en a 6, 8. Et quand vous mettez des convoyeurs dessus, les convoyeurs de immersive, bah ça les éjecte directement sur le tapis. Vous pouvez les mettre ailleurs. Convoyeur. Voilà, convoyeur belt. Vous voyez, il y a celui-ci, hein. On va les faire rapidos. Les convoyeurs. Ah. Oh, on peut même l'avoir vertical, c'est cool. J'ai pas du rubber comme ça, non. Oh, j'ai pas de rubber. Et j'ai pas de laser, je pense. Bah non, sinon il m'en aurait fait. Bon, bah tant pis, ça sera pas pour aujourd'hui d'huile et laser. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. On aura fait du immersive. Et du coup, bah je vais être tranquille ici. Voilà. Sur ce, bisous tout le monde, c'était Épée. À la prochaine. Faudrait que je remette le jour-nuit un jour. Voilà. Sur ce, bisous. Ah.